tout le monde, c'est Brick Gamer. Et oui, aujourd'hui je m'appelle Brick Gamer, donc j'ai décidé de changer de nom pour cette nouvelle année. Et puis ça me saoulait un peu Fanegobrix, puisque ça faisait un peu gamin, je trouvais. Bon bref, j'avais envie de changer. Donc qui dit que j'ai changé de vidéo dit que j'ai changé d'intro, de bannière, etc. Donc je vais vous dire toutes les informations dans cette vidéo, ainsi que les vidéos qui seront programmées pour cette année. Donc déjà, comme je viens de vous le dire, j'ai changé d'intro comme vous avez pu voir dans ce début de vidéo. Donc par exemple, dans ce début de vidéo, j'ai voulu la mettre en entière. Mais dans les vidéos qui suivront, quand je sortirai des vidéos occasionnelles, quand il y aura l'intro, elle sera plus courte, elle durera à peu près 7 secondes à peu près, voilà. Donc j'ai changé de bannière. Donc j'ai changé de bannière sur YouTube, donc j'ai... Bah, c'est la même qu'avant, sauf que j'ai mis Brick Gamer à la place, c'est pareil, logique. Pour Google Plus, vu que c'est un peu mis différemment que YouTube, j'ai décidé de mettre la même photo de couverture que la bannière de YouTube sans le nom Brick Gamer, parce que sinon ça faisait un peu trop de Brick Gamer partout. Ainsi que Facebook, c'est la même chose. J'ai changé de photo de couverture, mais j'ai mis la même photo mais sans le nom, sinon ça ferait trop. Voilà. Sinon, oui, comme je vais vous le dire, j'ai changé mon intro. Donc elle a un peu changé par rapport à avant, mais c'est un peu la même chose, sauf que le thème, c'est pas la même chose. C'est un peu comme de la peinture moitié, bon, bref. Ouais, donc j'espère que ce nom vous plaît, hein. Moi je trouvais que c'était mieux, parce que Fanegobrix, ça faisait un peu que du chaîne, une chaîne que sur du Lego, que là au moins on sait, c'est un peu la définition de ma chaîne, hein, Brick et Gamer, donc Brick pour les briques de Lego, et Gamer, bah, parce que je suis un gamer, parce que je fais des vidéos de jeux vidéo. Donc pour les jeux vidéo, en parlant de jeux vidéo d'ailleurs, j'ai changé également aussi l'intro des détentes de Assassin's Creed, puisque j'avais fait une intro spéciale pour les détentes sur Assassin's Creed. Donc j'ai remixé, j'ai juste changé Fanegobrix en Brick Gamer, voilà. Donc j'espère que voilà, donc mes résolutions en quelque sorte, voilà. Je les ai prises un peu tard, mais bon. Voilà. Donc maintenant on va passer aux vidéos que j'ai programmées. Et dans les vidéos, donc il y aura le setup. Et justement, pour le setup, alors il sera un peu retardé, puisque je pensais que ma chambre chez mes grands-parents, donc où je suis la semaine, serait finie pour après Noël, mais en fait non. Donc, mais je vais essayer de bientôt la finir. Mais bon, on sera vers les vacances, je pense, parce que là j'aurai le temps de le faire. Donc du coup, pour le setup, ma chambre a changé, hein. J'ai décidé de la mettre différemment. Par exemple, là j'ai mis quelques figurines pour que ça fasse joli. Bon, je vous montrerai tout le système et tout, voilà. Donc c'est parti, on va passer aux vidéos programmées pour cette année. Allez. Donc pour les vidéos programmées pour cette année, donc il y en a où vous avez déjà vu et d'autres pas. Voilà. Donc déjà mon setup, donc ça je vous l'ai dit. Alors GTA 5, mode braquage numéro 3, ça je vous salue aussi. Donc c'est ce numéro 3 sera avec les trois personnages, donc je les appellerai. Voilà. Et je prendrai une fourgonnette et je m'habillerai et tout comme un vrai braquage, voilà. Ensuite, il y a le drift montage Forza Motorsport 3. Par contre, il va être réduit en quelque sorte, parce que j'ai mis, par exemple, en description, que j'ai mis un assez gros projet. Mais vu que maintenant, j'ai eu Forza Motorsport 4, et bah, il sera un peu raccourci. Moi, j'ai programmé de faire une vidéo d'au moins, à peu près, au moins 10 minutes. Mais du coup, ce sera un peu moins, je pense. Parce que là, je joue plus beaucoup. Et bon, je pense que des fois, je vais rejouer, parce que j'aime bien, par exemple, je rejoue à GTA 4. Comme ça me saoule un peu, GTA 5, voilà. Sinon, GTA 5 VS Flic au Mont Chiliad, donc ça c'est plutôt cool, je jouais tout seul en fait, au moment j'avais pris un 4x4 bien tuné, et en fait c'était vraiment un délire, mais je me suis tapé les départs tout seul quoi, les flics qui partaient dans tous les sens et tout, c'était assez bien, voilà. Donc ça, vous inquiétez pas, je le ferai bientôt. Sinon j'ai été voir un peu sur ma chaîne les vidéos que j'avais faites avant, donc il y a deux modes que je vais refaire qui étaient assez vieux, donc train VS Flic et moto VS Flic aussi. Voilà, donc j'en avais programmé un moto VS Flic, mais comme vous savez, mon ordi a planté et du coup j'ai perdu mes données. Là, il va être réparé normalement, et par contre, je vais perdre mes données, donc c'est pas grave. Sinon, il y aura vidéo détente Forza Motorsport 4. Donc voilà, donc comme ça, je ferai ma première vidéo dessus. Donc ensuite, donc, comme je vous ai dit, la deuxième partie en quelque sorte de Assassin's Creed 3 détente. Donc la première c'était avec Ethan, mais là ça va être Connor, avec Connor, le fils de Ethan. Et non pas le père. Et j'essaierai de faire d'autres 1v1 sur Call of B1. Voilà. Donc après les autres, je les martyrerai en fur et à mesure. Donc j'espère que ce programme vous plaît. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à commenter. Donc déjà si ce nouveau nom vous plaît, si mon intro, si ma bannière et tout vous plaît.
et de liker aussi ma page Facebook. Ce que je vous dis, salut!